Raphaël Pépin, et LVDCB3, s'expriment sur la rupture de Vincent Cajou et Sarah Lopé. En septembre dernier, Vincent Cajou et Sarah Lopé annonçaient leur séparation sur la toile après un an d'amour. Si depuis, chacun cesse d'exprimer sur les raisons de cette rupture, aucun n'a retrouvé l'amour. Présent à la conférence de presse de la Villa d'Aix-sur-Brisée 3, Raphaël Pépin a donné des nouvelles de son pote en exclusivité à Non-Stop Reality. En 2016, lors de la diffusion de la saison 10 de Secret Story, Vincent Cajou a intégré la Maison des Secrets en tant qu'ancien candidat de l'émission. Dans la Maison des Secrets, il retrouvait Sarah Lopé, l'une de ses exemples. Ils ont fini par se remettre en couple. Une histoire d'amour qui a duré, entre un séjour en amoureux à Dubaï, des fiançailles dans les Vacances des Anges 2 et un emménagement. Mais après un an d'amour, leur relation cesse de terminer. En effet, ces derniers l'avaient annoncé sur la toile en expliquant les raisons de ce choix. Nous avons mis un terme à notre relation tout simplement, car cela ne fonctionnait plus, nous n'étions plus heureux. Nous avons tout donné pour essayer de donner un second souffle à notre relation toujours dans le plus grand des respects l'un envers l'autre, je suis triste et j'ai très mal au cœur, mais la vie est faite ainsi, postait Vincent Cajou. Il y avait encore certainement de l'amour lors de sa venue à la conférence de presse de la Villa des Cœurs Brisés 3, Raphaël Pépin a accepté de donner des nouvelles de son ami, Vincent Cajou. Il va très bien. Il s'est séparé de Sarah Lopé, c'est lui qui a pris cette décision et ça va très bien. Il le vit bien. Ils se sont séparés pour des raisons qui sont propres à chacun, il continue son petit bout de chemin, a-t-il commencé. N'y avait-il plus d'amour entre eux? Si, il y avait certainement encore de l'amour, mais l'amour ne fait pas du tout, a-t-il répondu. Et de poursuivre. À 20 ans, oui l'amour fait tout, mais quand tu as 28 ans, que tu as des ambitions et que l'autre personne en face en a un petit moins que toi, ce n'est pas pareil. Ils n'étaient pas sur la même route et ils se sont séparés. Confidence exclusive recueillie par la Clara P. Ne pas reprendre dans Cité Non-Stop Reality. Clara P. publié le 19 décembre 2017 à 17h13.